Oui. Et dit, vous êtes fort dans le désordre. Si tu en donnes 5 minutes, tout à l'heure, pas parler 2 minutes. Tu as vu qui t'a fait. Mais j'étais en train de parler, tu m'as coupé. J'étais en train de parler, tu m'as coupé. Il faut parler. Ok. Donc, t'as 5 minutes, il faut parler. Donc, moi je dis, l'homme qui met son enfant au monde, il ne peut pas devenir mouton. Nous tous, on est assis ici, là. On sait que c'est l'homme, ça va devenir. Mais quel type d'homme qu'il va devenir là, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on parle de la nouvelle naissance qui est l'esprit de nos pères. Puisque Dieu est esprit, et que celui qui doit l'adorer aussi en esprit et en vérité. Donc, voilà la définition de ce verset-là. Voilà. Maintenant, en tant que l'esprit dans un corps a la capacité de s'exprimer, c'est ça qu'il voit parfois souvent fou. Il parle et puis il y a des paroles qui sortent, toutes ces paroles-là sont mélangées parce qu'il y a un esprit qui l'habite. C'est ça aussi qu'il voit dans la vie de l'homme, de toi et moi où on est arrêté actuellement. Quand l'esprit de Dieu est en nous, il a la capacité de révéler les choses qui sont cachées. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est de ce Dieu-là qu'on est en train de parler. Maintenant, ce Dieu-là, moi je dis que c'est Jésus-Christ. Et toi, tu dis quoi? Parce qu'il est esprit. Il est esprit. Et ce Dieu-là, il est esprit, celui qui est Jésus-Christ, qui s'est fait chair pour descendre sur la terre pour donner le message. J'en ai fini. Non, il te reste encore 3 minutes. D'accord, merci beaucoup. On va aller au commencement était la parole. On va prendre Jean encore. On va aller dans ce passage-là. Et puis on va essayer de démontrer. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole elle-même, elle est Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était à la lumière des hommes. Voilà, j'aimerais d'abord m'arrêter là. C'est cette parole-là qui se fait chair, où il se met dans la peau, et puis il parle en tant qu'être humain, où il s'exprime. Parce que pour que toi et moi on puisse se comprendre, il faudrait que tu sois dans la peau que tu es ce soir-là, pour que toi, être humain, et moi, être humain, on puisse se communiquer. Merci, bien fini. Tu as dit, mon père dit, mais lui, lui là, il est un homme. Et il ne peut pas mettre un mouton au monde. Il va mettre homme forcément au monde. Jésus dit dans la Bible, moi je suis un être humain. On te demande, si Jésus est un être humain, et que être humain met être humain au monde, qui a, celui qui a envoyé Jésus là, lui il est qui? Tu dis, il est esprit. Est-ce qu'un esprit peut mettre un être humain au monde? Jamais. Et que toi-même, ta foi, tu mélanges André Garba et André Atiké et Poisson, tu mélanges. Toi-même, ta propre foi. De peur de dire la vérité, tu te mélanges toi-même. Tu as dit que tu es un être humain. Et qu'un être humain doit mettre un être humain forcément au monde. Mais si Jésus dit que moi, je suis un être humain, c'est que lui qui l'a mis au monde, doit être quoi? Un être humain. Et puis, c'est maman Marie. C'est pas Marie qui l'a bougé. Voilà que toi aujourd'hui, tu dis que non, c'est pas un être humain qui l'a mis au monde, mais c'est Dieu. C'est Dieu qui est esprit. Et Dieu est esprit et il a envoyé Jésus au monde. Donc, c'est voilà que l'homme qui met un mouton au monde. Chose que toi, tu ne voulais pas. Maintenant, tu dis, c'est Jésus, c'est l'esprit de Dieu dans un corps. C'est-à-dire que le corps de Jésus, ce n'est pas ça qui est Dieu. Mais c'est l'esprit là qui est Dieu. Est-ce que tu peux confirmer ça encore devant moi? Que c'est l'esprit qui est dans Jésus qui est Dieu? Donne-lui le micro. Hey. Il veut savoir, tu as fini ton temps. Ou bien. Nous, on va terminer avec toi, hein, parce qu'il y a deux personnes. On va finir avec toi en tant que quelqu'un d'autre. Tu te poses une question, si tu ne réponds pas là, peut prendre quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est l'esprit de Jésus là qui est Dieu ou est-ce que c'est son corps qui est Dieu? En fait, la question que tu poses là, ça n'a pas de sens. Prochaine question. Prochaine question. C'est bon. Si la question n'a pas de sens, c'est bon. En fait, on va prendre quelqu'un d'autre, c'est bon. Vous ne laissez pas les gens. Mais on t'a posé une question. Tu dis que ma question n'a pas de sens. C'est que c'est bon. Soit lui, il n'est pas la réponse. Non, c'est bon. C'est bon. Donc moi, je veux savoir. Tu réponds à ma question, on va avancer. Est-ce
Est-ce que c'est le corps de Jésus qui est Dieu ou bien c'est son esprit qui est Dieu? Tu ne réponds pas, on prend quelqu'un d'autre. Dans la fête du Seigneur. Bon, d'accord. Tu veux que je te réponde? J'ai dit, est-ce que c'est l'esprit de Jésus qui est Dieu ou bien c'est son corps qui est Dieu? Mais je t'ai répondu, j'ai répondu la question, je t'ai dit que c'est l'esprit qui est Dieu. Merci. C'est fini? C'est fini. Luc 23, verset 46. Ok. Vas-y. Jésus s'écria d'une voix forte. Tu as bien dit que c'est son esprit qui est Dieu. Amen. Jésus s'écria d'une voix forte. La Bible dit Jésus s'écria d'une voix forte. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Si son esprit est déjà Dieu, il remet son esprit dans la main de Dieu. De qui? Prochaine question. Tu as demandé, il remet son esprit dans la main de qui? C'est pour ça que j'ai demandé tout à l'heure, il faut être spirituel pour qu'on puisse comprendre. Si toi et moi on est spirituel là, on va comprendre. Dans la spiritualité là, il met entre les mains de qui? Étant dans la spiritualité. Maintenant, Dieu, oui, il est esprit. On sait. Il est omniscient, omnipotent et puis omniprésent. Oh ben, c'est ça. Toi, tu refuses de comprendre. Oh, mais c'est ça, toi, tu refuses de comprendre. Parce que je t'ai dit que toi, tu es en train de dire, il met son esprit entre ses mains. Or, oh, le Père dont lui, on est en train de parler là, c'est lui-même. Ça commence à vous faire et puis vous mettez les trucs sur les réseaux sociaux. On a commencé, les gens n'ont pas paraphrasé et puis vous dites que non, c'est fini. Maintenant, qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit? Qui est le Père? Non, tu l'as demandé, il a remis son esprit dans la main de qui? Alors que son esprit est derrière Dieu. Son esprit est Dieu. Maintenant, le Père là, c'est qui? C'est pas ce qu'il a demandé. Il dit, il a remis son esprit qui est Dieu là dans la main de qui? La personne là, on veut le connaître. Mon frère. Si tu es esprit là, si tu es esprit, quelqu'un qui est esprit là, on va chercher. Je tu peux pas répondre pour donner le micro. Je peux pas répondre. Je réponds, je t'ai dit que le Père là. Non, c'est le qui seul. J'ai demandé qui est le Père. J'ai dit, il remet son esprit à Dieu dans la main de qui? Jésus est Dieu. Mais il remet son esprit dans la main de qui? Il ne remet pas son esprit dans la main de quelqu'un. Il dit j'ai remis mon esprit entre mes mains. Lui-même il est Dieu. Mais pourquoi il dit j'ai remis mon esprit entre tes mains? Bon, c'est ta compréhension. C'est pas grave. Maintenant, on te donne le verset de celui qui est le Père, dont tu es en train de parler là. En fait, ça n'a pas le nom. Il y a un proverbe togolais qui dit Nous dedans. Ça veut dire petit monde est mieux que grand monde. C'est pas que je peux pas de partir. Moi je vais partir. Je me suis déplacé. Tu as gagné ta raison, mon frère. Je vais parler. Tu veux conclure quoi? Je vais conclure maintenant. Voyons dans la paix au moins. On va conclure dans la paix. Pour que tu puisses. Moi je me suis déplacé pour venir ici par rapport à ça. D'accord. Voilà. Maintenant, les questions qu'on se pose là, il faudrait que ce soit des questions où toi et moi là, on va dans la logique de la parole de Dieu. Il ne faudrait pas que tu prennes ta pensée pour mettre dans la parole de Dieu. Voilà. Et c'est ce que moi tu es en train de me faire. Le premier point, tu as dit, Dieu il est à l'image de qui? Et moi je te posais la question, toi quand tu mets ton enfant au monde là, ton enfant est à l'image de qui? À mon image. Voilà. Donc, là, on n'a pas besoin de Dieu. Mais moi, j'ai un homme. Maintenant, quand on revient sur le cas de Dieu, alors qu'il ne parle pas. Ici, là. Moi, j'ai un homme. Il y a un homme au monde. Si tu es un homme, il parle de moi. Voilà la parole. Voilà la parole. Voilà la parole qui est là où on parle de Jésus-Christ, lui-même qui est Dieu. Et je prends le passage de
1 Jean 5:20. C'est ça. Oui. Et nous savons que le Fils de Dieu est venu. Que le Fils de Dieu est venu. Est-ce que le verset est déjà lu? J'ai déjà lu. Tu es sûr? J'ai déjà lu. Tu es sûr? J'ai déjà lu. On va lire pour toi. Tu es sûr que tu as déjà lu? J'ai déjà lu, mon frère. D'accord. Allons-y. Attends, on va lire ça pour toi. Oui, tu lis? Je vais lire 1 Jean 5:20. 1 Jean 5, 20. Je lis la lecture. Oui. 1 Jean 5, 20. Mais, nous savons que le Fils de Dieu est venu. Qui nous a donné l'intelligence. Oui. Que nous parvenons à connaître le véritable. Et nous sommes en union avec le véritable. Par le moyen de son Fils Jésus-Christ. Point. C'est là le vrai Dieu et la vie éternelle. C'est là le vrai Dieu. Le vrai okay. Dieu. Moi, je vais prendre ma version de Luchou. C'est pas plus qu'on a lu là. Viens. Pourquoi te presser? Je te demande. Tu es pressé pourquoi? Mais quoi ça? Pas... Laisse, je vais prendre ma version. Non, je te demande. Donc, ça, ça n'arrange pas. Je vais prendre ma version. Et ça, ça n'arrange pas. Il est juste bon là. Je vais prendre ma version. Et chrétien rejette Bible. Je ne rejette pas la Bible. Mais moi, je prends ma version. Ok, vas-y. Tu prends sa version, non? Oui. Voilà, je prends ma version. Voilà, prends ta version. Donc, on relit notre version. Attends, donne ma version, elle n'est pas vraie. Mon frère, pense comme tu veux. C'est pas moi qui t'as donné le verset, non? Ah, on a que ça. Oui, lui, on le prend et puis on termine avec le frère qui est venu. Qu'on a eu. 1 Jean 5, à partir du verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Le véritable. Et nous sommes dans la vérité à son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. D'accord. Donc, ici d'abord, on dit. On nous a donné l'intelligence pour connaître que celui qui est la vie éternelle. Maintenant, le Jésus dont nous on est en train de parler là, il s'appelle Emmanuel. Tu crois où même? Il s'appelle Emmanuel. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci pour ta participation. Voilà. Et tu peux venir quand tu veux, mais prochainement, on va venir être pasteur, pardon.